Bonjour et bienvenue, on est reparti dans du War Tales. La dernière fois on avait fait quoi exactement? Je me rappelle plus exactement. La dernière fois, je crois qu'on a dit au revoir aux ours. Maintenant on garde 5 crocoports qui sont sympas, qui sont très très sympas. Et je crois qu'on voulait essayer de finir. Ça lag un peu. Finir la quête d'ici. Enfin non, finir la zone de Grimir, je crois. Je crois qu'on voulait faire ça. On a aussi fait des rats, je crois bien, la dernière fois. On est un peu lourd. Car on a pas mal de nourriture et les rats et tout ça. Je crois qu'on avait fait pas mal de nourriture. Là, les crocopores et tout. Ouais, crocopores flambés. Ah oui, on avait dit que potentiellement on prendrait deux poneys en plus. Aussi. Deux poneys en plus pour être large, tout simplement pour être large. Bon, par contre, c'est un peu lourd à chaque fois, mais donc on va voir ça. Est-ce qu'on a le brouet d'anguille? C'est ce qu'il nous faut. Bon, bah du coup, on peut aller se balader. On reviendra à Ludern un peu, tout petit peu plus tard. Mais on peut aller là, on peut aller à Grimir et essayer de voir pour finir Grimir. Je suis pas complètement certain de comment ça va se passer, mais bon. Faut faire attention, on est aussi recherché par la garde encore un peu. Pas énormément, ça va vite partir. On s'est enfin séparé de Septel. C'est un peu triste. Dans un sens, c'est un peu triste. On n'a plus à chaque fois à la mettre genre sur défendre ou attaquer. Donc ouais, on n'a plus besoin de faire ça. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des missions? Non, on doit aller vers le nord. Genre ça, nord-est peut-être. Je vais voir si c'est précis. Ouais, on peut le faire sur la route. C'est pas exactement notre chemin, mais. Par contre, je sais plus par quel endroit on est rentré en fait dans la ville. Est-ce que c'est de ce côté-là ou c'est de ce côté-là? Je sais pas. Ok, ça va. Ok, go, qu'on parte de ce coupe-gorge là. C'est un coupe-gorge pour nous. Qu'on fasse un peu attention à notre argent. Niveau nourriture, ça va. Maintenant, on n'a plus les ours, donc bon, ça consomme nettement moins. Ça consomme nettement moins. Hein, c'était 12 par ours. Ah ouais, non, c'est bon, on est bon, on est bon. En fait, c'est la bonne. Oh, je vois les gardes. Il y a des gardes là aussi. Super. Oh merde. Attends. On va faire un camp ici. J'ai vu des gardes dans la forêt, j'ai vu des gardes là-bas. Oh mon Dieu. On peut s'arrêter au château? Est-ce qu'on peut camper au château? Ah yes, on peut camper au château, ça tue. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On peut pas faire des gros plats? Enfin, qu'est-ce qui nous manque à chaque fois? Ah, les paupiettes. Ouais, on n'a jamais les. Ouais, on a jamais les choses au bon moment en fait. On n'a jamais les choses ensemble au bon moment, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On est bien. On n'a rien de volé, hein. On est recherché parce qu'on a tué. Par contre, je voudrais bien. Genre. Caler un peu.
Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok. Ah, c'est vrai que ça consomme moins maintenant. Après, oui, après, ouais. Les points de bravoure. Pourquoi les points de bravoure, on est redescendu à 4, à 13? J'ai pas pris de nourriture là? Qui augmente? Ah oui, non, j'ai pas. Mais c'est quoi qui augmente du coup? J'ai pas pris de ragoût de porc? J'en ai pas mis? J'ai pas dû en mettre. Eh merde. J'ai pas dû en mettre. Je n'ai point dû en mettre. C'est pas grave. Je me demande si on peut en avoir plus de bravoure. Ça fait longtemps qu'on joue, donc je me demande si c'est possible en fait d'en avoir plus. On va faire un peu de placement quand même. Juste vite fait. Allez, Lucie, tu ouvres la marche. Honnêtement, pour les missions comme ça, pour les tueries comme ça, on devrait mettre l'accessoire là qui augmente. Qui augmente. Ça. Ah, ça l'a pris en... Hop. Et hop. À la limite, on peut faire comme ça. Enfin, qui augmente le moral, là, le truc. C'est ça que je veux dire. Tiens, on peut faire comme ça. On peut utiliser le jet incapacitant, là. Pour se mettre en... Waouh. Ok. Pour se mettre en engagement en fait. Ben voilà, fallait pas. Ça va pas la tête. Ben voilà, fallait pas. Ça va pas la tête. Non mais. Voyons quoi. C'est quoi cette ce manque de tact? On y va un peu à l'arrache. Ah, et moi, il y a ça. Il y a ça. Son huile. Il n'y a que elle pour le moment. Ou l'huile, je suis pas encore complètement certain si c'est une bonne chose ou pas. Il y a vraiment que elle. Oh, on a, j'ai pas remis les bonnes armes. Mince. Alors vite, on va faire ça avant que j'oublie. À cœur, il faut mettre les haches. Voilà. Ça, c'était parce qu'on avait fait le coup des rats, là. Complètement oublié. Voilà, ça c'est fait. Ok, on peut retourner sur le chemin. On a la meute. On avait une meute aussi, je sais plus. C'est la meute d'ici? Ou c'est c'est la meute d'où? C'est là, à traquer la meute Vertruse. Ah, ok. Est-ce qu'on essaye de la faire, la meute? Ou ils sont là, les gars, je crois. Ou alors c'est juste des connards.
La meute de Vertruse. Remettre contre la peste. On a toujours 20. Non. La meute de Vertruse. On peut peut-être faire la meute de Vertruse vu qu'on est ici. Mais je sais plus du tout. Alors, attends, on va camper. La meute de Vertruse. Rhinmir, Luderne, Tiltren, Arthès, Vertruse. Le contre-andru fait état d'un cadavre à moitié dévoré au sud de la grotte de Rochebrune. Il s'agit bien de la meute fantôme, il faudra attendre la nuit pour le sensé. Au sud de la grotte de Rochebrune. Alors la grotte de Rochebrune. Mine inondée, mine de fer. Donc au sud de la grotte. Bah du coup. Ah oui, mais ça c'est parce que je voulais des. Je voulais des chameaux là. D'accord. Bon bah on va aller là-bas là. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Parce que honnêtement, les chasseurs nous donnent toujours des super récompenses. C'est souvent en plus des trucs pour le camp. On est bien en vitesse là. On est à 39%. Attendez, on va faire. Hop, pause. Est-ce que tout le monde a des. Des fers à cheval. Ok. Pour le poney, là, le balafré, je sais pas quoi lui mettre. S'il n'y a pas vraiment un objet qui pourrait. Bon, dégâts critiques, il n'en fait pas vraiment. Lui, il faudrait de la défense. Je sais pas si ça existe pour un animal. Ah, tiens, il y a la dague qu'il faut vendre. Je sais pas du tout si ça existe pour un animal. Mais de la défense en plus, ça serait vraiment bien. Du coup, on va aller à la. Putain, il faut passer par là, quoi. Chier. Lâchez-moi la grappe. Ok. On est bon. On va en profiter pour prendre un cheval. En profiter. Un de plus. Ouais, on en prend un. Hop. On en prend un. Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu d'argent avec ce qu'on a sur nous? La figure de gardien? Ouais. Ça, on va regarder que 5. Ok, ça me paraît. Ça me paraît potable. Parce que les chevaux, c'est combien? 500 ou 700? Oh, 800! Vache. 800, ça nous ferait deux échéances si on n'achète pas de nourriture. Bah, on a nourriture, on en a. Ça, Gauvin et Yvain. Coopératif feignant, rapide, sanguinaire. Chétif, sanguinaire. On va sanguinaire et rapide. Ils peuvent pas nous en faire cadeau, hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de porter, les mecs. J'ai pas envie de me faire chier. Arrêtez de poser des questions à la con au bout d'un moment. Putain, vous voulez porter les choses vous-même? Non? Et ben voilà. Voilà, très bien. Et hop, on augmente notre vitesse. Et voilà, on a à peu près 100.
De voilà, on aura peut-être même pas besoin d'en avoir un plus. C'est juste pour, en fait, honnêtement, moi, ce qui me, j'aime bien les trucs bien précis, bien organisés, tout ça. Donc le fait d'avoir, on avait les deux ours là avec les crocopores là sur deux lignes, la décalée, tout ça, ça m'énervait déjà. Maintenant on a 15 personnes, donc c'est 3 lignes, c'est parfait. Maintenant on a 5 crocopores, c'est parfait, on les touche pas. C'est pour ça aussi que je voulais enlever les ours. Et là on a, je voudrais avoir 2 lignes de poney en fait. Comme ça on est tranquille. Bon, on est remonté à 113, c'est très bien. C'est très très bien. On va peut-être même pas avoir besoin d'en prendre un dernier. Mais bon, comme j'ai dit, je voudrais bien finir peut-être la ligne. Tiens, on va fouiller les mines. C'est vrai que les mines, c'est quand même beaucoup d'argent à chaque fois. C'est plus d'une centaine de pièces. Si on récupère des joyaux. Putain de lag. Quand ça lag, faut pas appuyer en fait. Parce que de toute façon, le cercle, il refait un tour. Je crois qu'on a eu 3 joyaux en tout. Ça va. On est allé là, on n'est pas allé là-bas. Enfin, si, je crois que c'est le chemin qu'on avait pris pour aller à la meute. Donc ils disent au sud de la mine de Rochemort, donc sûrement là. Ah bah non, mais attends, il faut trouver le cadavre. Il est où le cadavre? Ouais, non, merde. Attends, c'est bien ça le message. Au sud de la grotte de Rochemort. J'ai tendance à rester un tout petit peu plus maintenant dans les forêts aussi. Oh. Qu'est-ce que tu veux, l'inquisitrice? S'il te plaît, Saint-Jérôme, garde-moi de retourner là-dedans. Je refuse de revivre ça. Tous ces rats qui grouillent, la peste, l'odeur de pourriture, c'était un cauchemar. Le trait désespéré, non. Relation avec les gens proches, moins 1. En plus, toi, tu viens d'arriver, donc on va pas mettre moins 1 avec les gens, quoi. Exprime ses craintes aux autres. Ah, à la limite, on peut faire ça, on boira de l'alcool. Boira de l'alcool la prochaine fois. Putain, c'est une inquisitrice, quoi. Merde. Est-ce que c'est cette meute-là? Meute fantôme. Est-ce qu'il y a écrit tout le temps meute fantôme ou pas? Je sais plus. On verra de toute façon les barres en haut. Mais je sais plus à chaque fois si c'est vraiment écrit tout le temps meute fantôme ou pas. Non, ça c'est la normale. C'est pas celle-là qu'on recherche. Merde. Merde. C'est pas celle-là qu'on recherche.
Est-ce qu'on se booste en vitesse dès le début? Ouais, je pense que si. Et si on a des cachets, quoi. D'accord. Merde, je vais pas manquer. Je me suis engagé comme un débile. C'est pas grave. Alors, sanglier fantôme ou les crocopores? C'est quoi les meilleurs? Moi, je pense que c'est bien les crocopores. Après, si on peut l'attraper, ça, plus tard. Oh, parfait. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, les crocopores. Putain. J'arrête pas de le dire, mais hein, faut le dire. Tellement bien. Voilà, c'est fait. C'est bien parce qu'on a de la nourriture à faire avec avec du loup. Quelle ça. On va se mettre là. Oh putain, t'es sérieux? Il est réattrapé. Je voulais le mettre là pour qu'il fasse une AOE. Lâchez-moi la grappe, quoi. Waouh. Lui, il est engagé. Est-ce qu'il va quand même attaquer ou pas? Ah, ça lui a donné fureur quand même. Mais vu qu'il a engagé, il peut pas se désengager. Intéressant. Très intéressant. Voilà. Ça enlevait la brume. Ah oui, c'est vrai. Dans ce jeu, de ce que j'ai... qu'on a compris, hein, on peut pas avoir deux éléments, en fait, l'un sur l'autre. Donc c'est ou feu, c'est ou brume, c'est ou poison, c'est ou boue. Quoique, peut-être... peut-être que le nuage de gaz, de poison, il peut être en plus, peut-être. Je suis pas sûr. Mais ça, c'est bien, ça. C'est bien de le savoir. Oh, le truc, on l'a pas tué. Putain, tu fais chier. Hmm.
Bon, techniquement, on l'a tué. Ah, mais je vais pas pouvoir toucher les deux. Ah, fait chier. Ah, merde. Ouais, 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 il a plus de vie. Ça serait bien qu'il rajoute des armures qui font des sets aussi. Parce que là, on a on a encore deux trucs. Ah, on a encore que deux trucs. Ah, donc on peut peut-être s'en débarrasser et se casser. Honnêtement, ça m'embêterait pas. C'est pas, je m'en fous un peu de la meute. Voilà. C'est pas celle-là qu'on recherche, donc je m'en fous un peu. Alors, je me rappelle pas où est le cadavre. Au sud. S'il faut, c'est par là en fait. Putain, chier quoi. On va devoir passer encore une nuit. Ouais, c'est mort. C'est mort. Je vais faire le tour pour aller voir les trackers, là, leur parler. Oh, les crocopores. Allez-y avec les champignons, là. On en a besoin. Alors, toi, déjà, t'as quoi à vendre ? Augmente le maximum de terreur que un peut subir de compagnon 1. Charme de tracker. Okay. Renfort du tracker. Si je te vole, ça fait cher. 30 à 50. Parce que j'ai envie de te dire, au point où on en est... on en a maintenant 374. Ça. J'ai envie d'acheter des pièges, moi. Mais bon, enfin, on a 5. Honnêtement, je crois que le mieux, c'est de les voler. 30 à 50 pour les 5. Donc, je pense honnêtement que c'est plus intéressant. Alors, je vais voir. Ça fait garde 3%. Très bien. Ça, c'est le charme. Augmente la terreur. Résistance à la terreur. Pas vraiment utile. Enfin, non. En fait, je crois que le problème... Le côté danger de la terreur, c'est si vous avez pas énormément de gens. Genre, vous comptez surtout sur un tank et tout ça. Genre, sur une seule personne. Et du coup, ouais, s'il se fait trop bouffer les miches, après vous l'avez plus, quoi. Parez-vous davantage pour un combat habituel. Sans cela, vous ne saurez pas affronter le vivant. Ok. Ouais, tu me dis pas plus que ça, en fait. Ça marche. Trouver le cadavre.
pas la marché noir. J'ai pas d'argent, faut pas le faire. Bon, ça va, c'est pas là. J'ai pas d'argent. Bonjour, attendez. Il y a une prison juste là, oui. Voilà. Voilà. Merci, merci messieurs. Le cadavre, je sais pas où il est, hein. Il est où ce con de cadavre? Ah, attends, il y avait de la menthe, je crois. Ouais. Par contre, c'est bête qu'on ait plus de fromage. Je crois que le niveau fromage, c'est plus... Enfin, niveau animaux là, qui récupèrent de la nourriture, je crois que le mieux, c'est les rats. Je dirais que ce sont les rats. Putain, au sud de Rochemort, quoi. Il est où ton mec? Le haut, c'est bien le nord. Oh mon dieu. Attends. Si, si, c'est bien ça. Si, si, sud. Si, si, c'est bien ça. On va devoir les payer bientôt. On va devoir faire des missions. Hein. On va devoir faire des missions en boucle. Hein, parce que là... Là, ça peut plus durer, là. Très, très bien. On a tout mis. On a tout mis. Maintenant, on comble. Ah oui, on avait dit qu'on voulait mettre ça, une dizaine de bouteilles, ça va. 9 bouteilles, ça va les mecs? Vous allez vous redevenir heureux? Non, dirais-moi en vrai, quoi. Putain, chaud. La meute, ça peut être ça. Meute fantôme. Le problème, c'est que je trouve pas le cadavre. C'est pas elle. C'est encore pas elle. Ah putain, il y en a là. C'est reparti. Je pense que je vais faire une pause et aller regarder où est le cadavre, en fait, honnêtement. De tourner en rond, c'est chiant parce que ça nous fait perdre des ressources et tout. Quand on découvre la zone, c'est bien, mais honnêtement, là, je m'en rappelle plus, moi. Moi, je m'en rappelle plus, voyons... Évidemment, tu tues celui-là qui est devant toi. Tu aurais pu t'engager avec. Ah.
vache. Quel carnage! Après, il y en a là. On va tester un truc. Voilà! Et la lumière fut! Et la lumière fut! Pas vraiment besoin, mais c'est pour faire style. Alors... Ah, il y en a encore un qui doit être caché. Elle, on lui a mis quoi déjà ? Empoisonnement. Ah putain, je peux pas passer. Très bien. Ah, c'est vachement pratique ça, hein, au final. Hein. Putain, mais ils sont où, hein? Ah là, ils sont où, hein? Waouh, fais-nous de la lumière toi aussi. Non. Putain, j'y crois pas, on va perdre un tour. Ah non, ils sont de ce côté, putain. J'y ai pensé en plus. J'y ai pensé. Alors, on va perdre un tour. On va pas pouvoir les tuer. Bien.
Après, je me demande si on peut avoir, parce que à l'hasard dans le jeu c'est vraiment important, c'est l'académie de recherche et tout ça. Je me demande si on peut vraiment avoir des chaînes pour capturer les fantômes là. Si jamais on peut, il faudra faire des tests. Genre on en récupère genre je sais pas 5 de bestioles et on met vraiment, on fait en sorte de taper la même personne, voir si vraiment elle fuit en fait. Le champ de bataille, parce que ça peut être intéressant comme gameplay. Genre les tanks et tout ça, on les fait fuir. Ça peut être pas mal, hein. Ah, du coup, on va se taper cauchemar. Merde. Et ils sont tous là. Et ils sont tous là. Ah, on va booster, hein. On va essayer de les tuer, mais bon. Les où neige. Ah mon Dieu, pour trouver les gens. Tiens, lui par contre il va prendre très cher avec ça, non? Ah, il est full vie, il est en feu, 108 de dégâts. Est-ce qu'on peut... non. Voilà, je crois pas que je peux éviter le brouillard. C'est pas très grave, honnêtement. Je veux pas qu'il me défonce mon copain cochon quand même, pas exagéré. C'est vrai que ça fait pas de dégâts ça. C'est normal. Alors, ça. Là. Ok. Il y a 8. 8 qui peut, ne peut pas toucher les deux.
C'est pas très grave. On va prendre monnaie. Ah, ah non, il en reste encore. Hein. Comment il en reste encore un? Oh, c'est encore un truc perdu, c'est ça? Ah, bah voilà. Ah, peut-être que du coup, on va pas avoir cauchemar, ça va aller plus vite. Ah, je le vois pas. Ah. Je le vois pas. Ok. Très bien. Bon, voilà. Bah merde, oh la vache, je la garde. Après c'est pas mal, c'est vrai que la meuf fantôme, vu que ça donne du porc et du loup, c'est pas si mal pour tout ce qui est nourriture, j'avoue. C'est deux plats qu'on peut faire, deux différents plats. Bon, vous savez quoi? Je vais faire une petite pause. Je vais essayer de trouver la meute. Ah tiens, faut le placer. Lui. La meute de Vertruse, là. La meute de Vertruse. Parce que je sais pas vraiment où il est. Je sais pas où elle est, mais je sais plus où est le cadavre. Donc c'est un peu embêtant. Attendez, je refais juste le... Hop. Hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. C'est joli. Ok, je reviens. Ok, nous sommes de retour. Donc je dois être aveugle. Je dois être aveugle. Donc c'est exactement là. C'est exactement là. On va suivre la route. Je dois être aveugle. En fait, on n'a pas activé le cadavre. Je pensais qu'on l'avait activé. Bon, après, c'est vrai que je trouvais pas de... Oh putain, exactement. C'est vrai que je voyais pas de traces de sang et tout ça. Ok. Là, on peut sprinter pendant longtemps maintenant, quand même. Ok, merci. Soldats versés, je sais, on n'a pas d'argent. Bah, quoique, si on a un peu d'argent quand même. Fait bientôt nuit, c'est parfait. C'est quoi ça? Apporter un message informateur au clan de Garusa. Oh, on peut faire ça peut-être. Si on sait où c'est. Yes! Les Garusa, on sait où c'est, on l'a déjà fait. Zell, la troupe de Lidar. On peut faire ça aussi. Pas mal d'argent. Voilà. Allez, il nous faut de l'argent. On va mendier. Après, on fait la meute. Donc, en fait, on n'a jamais regardé le cadavre, apparemment, je crois. Parce que le cadavre, il est juste un peu plus bas que la mine. C'est où j'ai mis le marqueur, honnêtement. C'est vraiment où j'ai mis le marqueur.
merde. Je faisais pas attention. Je regardais surtout ma fatigue en fait. Ah, c'est lui là. Lui qui est en haut. Lui est là. Voilà, donc on n'a jamais. Oui, c'est pour ça que cette traque on l'a jamais vue. Parce que. On n'avait pas regardé le corps. Tout simplement. Je suis un peu déçu de moi là. Alors, table de négociant. Je suis un peu déçu, je pensais vraiment l'avoir fait. Voilà, parfait. Non. Pam 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 pam. Ouais. Pam. C'est bon, tout le monde travaille. Vous ne versez pas leur solde à vos compagnons, vous reposez quand même. Non, annulé. Voilà. Ah ouais, d'accord. Je me demande s'il y en a qui quittent directement, ou alors c'est un processus. Genre, ils deviennent de plus en plus énervés. Je me demande comment ça fonctionne exactement. Ok. Niveau poids, on est bien. Bon, ça va, on va encore récupérer un peu de nourriture. Alors, on fait voir. Bête qui a éventré cette malheureuse devrait avoir une taille monstrueuse, des traces ensanglantées sur le du cadavre. Ah, mais du coup, il fait jour. Oh, merde. Attends, il fait... on est à l'aube. Oh, attendez, il y a des cons là, si on les tuait. Si on les massacrait. Après, on a pris des quêtes aussi. On a pris une... C'est pas eux qu'on doit tuer. Non, c'est pas eux qu'on doit tuer. Si c'est pas loin, on peut faire les autres missions qu'on a, mais ça m'étonnerait que ça soit proche. Je vais être honnête. Alors. Un peu au niveau, donc je crois qu'on va. Ouais. On va faire ça. On va exposer son arrière, son dos. Non, 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 non. Très bien. Je sais qu'il a de la... du blocage, mais... Ah ouais, non, on va pas le tuer. Bon, voilà. On lui a détruit l'armure, au moins, c'est déjà ça.
toi. Lucie, il n'y en a pas là. Ok, Lucie, tu vas me défoncer ça. Très bien. On va le tuer. Hop là. Ah, ça a pas engagé là. Intéressant. Peut-être parce qu'on n'était pas pile devant. Je sais pas. Qui va pouvoir se charger de toi? On va faire ça. Il y a Hacker qui est juste là. Ça va faire mal. Là, deux de poison, trois de poison même. Ok, parfait. Trois de poison même. C'est là. Merde. Ah, oh, j'ai une deuxième hache. Ok. Exactement la même. Ça marche. Est-ce qu'on a. Ah, tiens. Toi, dueliste, toi c'est. Ouais, c'est plutôt du combat. C'est plutôt du combat. Est-ce qu'on a besoin que tu tankes ou pas? Pas trop. Après, je dirais bien de dépasser les 30 de constitution, ce serait bien. Ouais. Ça, par contre, c'est. Ah, c'est du léger. Non, du coup, c'est pas intéressant. Ça marche. Ok, donc revenons à notre track. Pas les. Peut-être que ça s'arrête là en fait. C'est peut-être tout simplement dans la forêt, hein. En plein milieu. Ça doit être ici, hein. On va attendre. On va tout simplement attendre. Et puis après, on a le camp juste là-bas. On n'a plus que 1000 par contre. Après, on ira faire ça. Ouais, ça va être chaud. Niveau argent, ça va être relou. Faut qu'on aille faire ça. On fasse la meute, ils vont nous donner notre récompense, puis après on ira faire eux. Ça nous fera 600. Ça devrait apparaître ici, du coup. Parce que de toute façon, les traces ont l'air de s'arrêter.
Ah merde, c'est vrai que le temps s'arrête. Je crois qu'on n'a pas besoin de bouger hein, pour que le temps évolue, non? Ouais, 19h. C'est bête qu'on peut pas pêcher où on veut. Ah, on y est presque. Elle est là. Ça doit être là. 8-8, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est la meute. C'est la meute qu'on recherche. Ok, on a un grand front. Très bien, Klaska en première ligne. Lucie, tu vas te mettre là. Ok, ce qui joue en premier, c'est toi. Il nous faudrait neige. Ici, du coup là il y a quoi? Là il n'y a pas beaucoup de DPS en fait. Ça. Allez c'est parti. Se mettre là. Faire comme ça. Pour bloquer. Celui-là, on le voit pas. Je voudrais bien prendre galvanisation directe. Je pensais vraiment qu'on allait le toucher, lui, c'est chiant. Ok, parfait. Éliminer les faibles. C'est quand même un peu abusé cette attaque. Genre éliminer les faibles. Non, en fait, tu cours après eux quoi. J'aime bien l'icône en plus, c'est vraiment ça quoi. C'est quelqu'un qui court, qui s'enfuit en fait, qui fuit. Et le mec derrière avec sa lance, c'est le bouclier là qui court après. C'est super. C'est terrible. C'est parfait. On n'aurait pas pu faire mieux. On n'aurait vraiment pas pu faire mieux. Voilà. Là, on va rire.
Désengage. Ah, attends. Ah merde, je suis trop loin. Non. Pas grave. Pam pam pam. Attends. J'aurais dû prendre plus de points, mais c'est pas grave. Maintenant, on est là. Nous en reste 5. Il tank pas le machin. Ah, attends. Très bien. Faire une bombe. Ça a même une chance de faire du poison. Donc ça va même lui augmenter ses dégâts. Fièvre, poison, comme j'ai dit. Hop, oh, ça a pu c'est ce truc. Très bien. Il est vraiment bien lui. Ah non, on va les finir. Il est vraiment bien, je trouve vraiment cool. Taurus. Parfait. C'est vrai que c'est un peu con. Encore eux, les autres habilités, en fait, elles sont pas gérées par l'attaque principale. C'est ça aussi qui est intéressant dans le jeu. C'est que les habilités, en fait, sont gérées par les stats. Chaque habilité, c'est géré par la stat, en fait, que ce soit force, dex ou autre chose. Donc là, c'est la force. Mais l'attaque de base, par exemple, elle est pourrie parce qu'en fait, c'est un peu le mime, en fait, du fait que ça soit une tapette à mouche géante, en fait, en gros. Et du coup, bon, ça fait pas trop de dégâts de base. Et encore, honnêtement, c'est très potable. Ça fait énormément de dégâts à un moustique. Mais après, le reste, voilà, on passe genre à 88 de dégâts, 100 de dégâts. Voilà, parce que l'arme a une très très grosse force. Voilà, donc voilà, on a plus 32. Non. Donc du coup, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment sympa, cette arme. On n'avait pas d'autres masses. Comme ça. Et on est bon. Voilà. Le track est terminé. Qui ça? Oula! C'est pas la garde ça! Ah! 0%. C'est bizarre. Oh, oui, il est niveau 9. Il est niveau 9. On avait quoi niveau 9? C'est un arc.
Ça veut dire que ça, c'est à... Oh putain, elle est à peine niveau 7 en plus. Oh la vache. Ok. Alors, toi, t'avais déjà une constitution de base de ouf. T'es super résistant. On peut complètement le transformer en tank, lui. Mais ouais. On a même mal fait, honnêtement. Dans un sens, j'ai envie de dire. Il a trop de vie. Il faudrait qu'il fasse autre chose. On va te mettre de la force. Bah, du coup, faudrait lui donner un autre boulot, en fait, à lui. Maintenant que j'y pense. Plus de crit, non. On peut lui mettre mineur. Parce qu'on a déjà Marmiton, là, on a déjà elle. Et elle, bon, elle en a besoin, parce que ça, c'est un vrai tank. Mais 8, on peut lui mettre forgeron. Et quand Will il aura fini de forger, ben du coup, ce sera lui. Et il gagnera un peu de force. Ouais. On fera ça. C'est vachement bien de pouvoir cuire le loup. Il y a plein de choses comme ça en fait qu'il faudrait marquer sur un papier. Genre où récupérer les choses intéressantes. Genre par exemple ne pas utiliser de sel. Enfin le sel moins 1, c'est complètement OP. Ça aide énormément. Ou alors des plats qui sont faciles à faire. Genre par exemple le loup, il y en a beaucoup des loups. Donc, voir cuisiner les loups, c'est vachement bien. Cuisiner les porcs, c'est vachement bien. Ça, on le récupère tôt, je crois, dans le jeu. Encore un peu, je vais faire... Je vais me faire un nom, même la Légion voudra embaucher un gars comme moi. Alors, rester digne, 50, songer, célébrer. Ouais, non, célèbre, mec. Célèbre, célèbre, vas-y. Ça fait longtemps plus que t'es avec nous. T'es le premier, je crois, qu'on avait recruté. Hein. Ouais, oui, c'est le premier qu'on a recruté. Après, Hacker, on l'avait récupéré. Il voulait se venger. Puis du coup, bah, il a tag along le mec, hein, il est resté. Prétorius, c'est le mec qu'on avait aidé parce qu'il était contaminé par la peste. Lucie, elle faisait des attaques, je crois. C'est une hors-la-loi, elle faisait des attaques sur des caravanes ou un truc comme ça, je crois. Parce ils avaient tous la dalle. Du coup, elle est venue avec nous. C'est devenu un vrai paladin presque. Orline, c'était un peu la petite fille qui... Je sais plus. C'est pas celle-là qui devait se faire brûler. Je crois que c'est elle qui devait se faire brûler par les fanatiques, là. Parce que genre la foudre est tombée sur sa maison et il disait ouais, l'œil l'a frappé, il faut la tuer brûler. Du coup, elle est venue avec nous. Et elle est bonne en alchimie. Wannart, on l'a recruté. Klaska, on l'a recruté. Niège aussi. Après le reste, on a tous recruté. Ah non, il y a l'inquisitrice Auréa aussi. Elle était en prison. On ne sait pas pourquoi. Et elle, c'était pas cher pour la récupérer. Donc je sais pas pourquoi. Ça aussi, ouais, les persos qu'on peut avoir facilement, faudrait les noter. Et pouvoir les récupérer d'avance. C'est pas la garde, ça. Non. Non, c'est juste des connards. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que de vous revoir en vie, je vous ai mal jugé. Non seulement vous avez sauvé notre peau, mais en plus vous avez triomphé de la meute fantôme. Ce renfort vous appartient. Merci. Merci, merci. Je vois un peu. Renfort du rat. Critique et mouvement. Oh la vache, ça tue. Voilà. J'avoue qu'il y a des renforts qui sont quand même bien bien pétés. Genre critique et mouvement.
Après, il y a critique 3, je crois. Il y a critique 3 aussi. Dex critique, critique mouvement. Critique force, garde force. Critique force, dex. Ouais, c'est très 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 puissant. Critique et mouvement. Ouais, mais aucun de mes légers en fait, ils ont ça. Ils ont de l'emplacement. Ça, c'est chiant ça. C'est chiant. Ouais, non. Il faut des armures avec des emplacements. Je lui volerais bien les pièges à lui. Je lui volerais bien les pièges. C'est une centaine de crocs pour avoir les pièges. M'intéresse pas en fait. M'intéresse pas de balancer 100 là-dedans quoi. Mais les voler, c'est ça a l'air simple. Ah, je les ai loupés quoi. J'aurais passé à travers. On va se les faire. Après on va faire notre quête. Et on rentre. Parce qu'il nous faut de l'argent quand même. C'est pour ça que je voulais me les faire. Parce que ça fait de l'argent. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Elle est où le premier? Là. À l'attaque! Let's go. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive, Klaska? Voilà. Et il nous faudrait un peu d'argent parce que, bon, il y a Wit qui est maintenant niveau 9. Son épée, je crois qu'elle est juste 7 en plus. Donc, on a deux niveaux à augmenter. Donc, allez, j'irai un bon 45 de force peut-être. Ouais, je dirais un bon 45 de force en plus. One-shot. Putain. La vache. Ok, lui, provocation. Hop, désengagé. Et les faibles doivent mourir. Les faibles doivent mourir. Riposte, huile de renforcement. Je regarde un peu tous les buffs qu'il peut avoir. Je trouve ça vachement cool. Réduit les dégâts. Puis après, il y a ça. Donc,
Ouais, non, c'est pas un vrai tank parce qu'il n'a pas d'armure lourde. Il peut pas porter des armures lourdes, mais honnêtement, c'est un dérivé de Class K en fait. C'est un peu un dérivé de Class K. C'est intéressant. Vas-y, qu'on s'amuse un peu. Saignement, fièvre, poison en plus. Très bien. On a besoin de vos drops. Je suis désolé, hein, mais on a besoin de vous. On a besoin de votre matos. On a besoin d'argent. Suis vraiment désolé. Je l'ai vu qu'une fois la brûlure là s'activer, ça s'active pas souvent. Hein. 30% de chance, hein. C'est bof, hein. Ouais, non. Je me suis dit si j'en parle, peut-être que ça va forcer le truc, mais non. Prochain, c'est là. Cette épée. Yes, nickel. Là, ça, tu me fais plaisir. Ouh, attends. Peut-être que. Niveau 7. Enfin, le pavois, une étoile niveau 8. Et là, c'est. Ah, pavois 8. Mais pas d'étoile. Du coup, tu peux avoir ça, toi, à la place? C'est quoi? C'est les mêmes. C'est les mêmes. Bon bah du coup c'est bien. Ouais, c'est bien. Nickel. Ok. Alors, en plus on est dans la forêt, on patauge quoi là-dedans. Catastrophe. Bon bah ouais, du coup on est obligé de faire le tour. Putain. Il faudrait une habilité, parce qu'on a l'habilité de courir plus vite sur les routes. Il faudrait que on court plus vite dans la forêt. Bon, pas que ça soit aussi abusé, peut-être, que le buff des. Ah, on est peu recherché. Que le buff de la route, mais. Mais quand même, quoi. Un truc. Il doit être là. Cette route, elle mène nulle part. Hein. Ah, d'accord, c'est la map. Hein. Ouais, ok. Ah, mais merde, putain, mais je les ai passés. Faut mettre les marqueurs. Absolument mettre les marqueurs. Putain, je peux pas. Faut que j'attende qu'il bouge. Ah, ça y est. Oh putain, non, je peux plus.
Oh, des... Ah, ça y est, enfin. Parce que vous me semblez un peu... un peu au niveau... Enfin, au niveau. Hein. C'est vite dit. Hein. Mais 640, là, ça va, c'est cool. C'est très cool. Oh la vache. Ils sont 10. Ah merde. On a un groupe là. Il faut au moins... On va prendre Lucie. Parce qu'elle, elle peut one-shot en fait. Donc, voilà, très bien. Ouais, très bien, très bien. Après, le reste. le reste, on va aviser, ça va, c'est pas de problème. Niège. C'est toi qui ouvres les hostilités, comme d'habitude. Ça, on va devoir se reposer bientôt, donc. Très bien. On ne peut pas faire le tour. Ah, quoi que si, on peut faire ça. Comme ça, je peux prendre des points. Voilà, poison, saignement. Pam, pam, pam. Il y a des arènes aussi, je voudrais bien refaire des arènes. Marrant les arènes. Ouais. Elle, on peut la tuer avec, avec le courroux. Lui, non, fait chier. Ah, j'aurais dû peut-être le provoquer. Parce que provoquer, en fait, m'engager, ça me coûte pas de points. Enfin, ça me redonne un point, donc je peux provoquer, du coup, hop. Je me réengage direct. On va faire ça. Joli. Tu vas prendre cher toi ou pas? 52. Là, directement à la vie, c'est vrai que c'est pratique hein, ce truc. Genre jouer au dot honnêtement c'est assez OP hein, dans le jeu au final je pense. Ouais, je crois que jouer au dot c'est très puissant. À un certain moment, quand on peut faire vraiment beaucoup de poison, saignement et tout ça en même temps. Nickel. Bon, lui, ça va pas être la même parce qu'il a de la garde. Yeah.
lequel. Ah merde, il peut se déplacer. Chier. Toi. Taurus. Même la garde ne nous fait plus peur maintenant. On peut tout gérer. Après, il faut faire attention parce qu'on va commencer à arriver à un autre niveau, à un autre palier où on a des habilités en plus. Donc, après eux, ils ont jamais d'habilités en plus en fait. Parce que je parlais de ça là récemment, quand on a commencé à combattre la garde. Par rapport au fait que c'est bien d'avoir des... De les combattre aux certains paliers en fait par rapport à nos habilités. Mais en fait c'est bien oui pour nous, mais pas mais pour eux en fait ça leur apporte que dalle quoi. C'est juste qu'ils vont être plus puissants, c'est tout, basta. Ils vont avoir du meilleur matos et tout ça. Mais eux ils vont pas avoir de. Ils vont pas avoir d'habilité en plus. Donc c'est pas si grave que ça au final. Mais bon, après le niveau 8, honnêtement, j'avoue que il y a des trucs vraiment très intéressants au niveau 8. Toi, tu vas mourir des dodges, je pense. Par contre, lui... C'est un peu compliqué. Ah, j'aurais dû le... Ah, j'aurais dû complètement le... Le provoque, et là, on dit à mener de taper. Ah, fait chier. C'est pas grave. Peut-être que... Merde. Ah mais toi ça va, tu cours super loin, c'est bon. Elle aussi il lui faudrait courroux. Ouais tout le monde, faut te mettre courroux à tout le monde quoi. Faut vraiment mettre courroux à tout le monde. Y a personne qui va assez loin. Non, c'est... Si ça crève pas du dot, c'est mort. J'aurais dû peut-être balancer une bombe sur lui. Ah, fait chier. Balancer une bombe sur lui et taper à la dague l'autre. C'est pas grave. Sonner point grave. Okay, parfait. Oh, tiens, on peut aller là pour récupérer notre argent. C'est nickel. Nickel. Ah putain, est-ce qu'on va y arriver? Si on se met sur la... Je crois pas qu'on va y arriver. Non. Non. Aïe aïe aïe. Anguille bouille. Je sais même pas si c'est bon. Anguille bouille. Ok. Nickel. Tiens, là, on a plus de carcasse. T'as qu'à te mettre là, toi. T'es ami avec personne, vraiment. Non, toi, par contre, si... C'est vrai que toi, en fait, oui, tu peux te mettre là. Ça fera plus de bonheur, en plus. Parce que c'est des amis.
très bien comme ça. Toi, tu continues à t'entraîner. Des rats, je crois qu'on en a encore sûrement plein. Ah, mais c'est la demeure des Alazars. Mais je suis con, moi. Putain, il faut payer. Oh, alors, pam, 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 pam. Une des haches. Ah bah voilà, ça nous fait un peu d'argent là. Ça, une cinquantaine, ça suffit largement parce qu'on combat jamais vraiment autant. J'ai même envie de vendre les fontes. Je crois que c'est assez facile à faire, hein, on est d'accord. On a tout le matos, donc je pense qu'on peut les vendre. Vu le poids, parce que maintenant on a... On consomme un peu moins de nourriture, donc on n'en transporte plus trop des masses. Et on a un poney en plus, et les autres, ils commencent à être 8 aussi. Donc on va toujours avoir un 5 de plus, bonus. Voilà, ça nous fera 5 de moins déjà à transporter aussi. Alors le renfort du rat, j'ai envie de le virer. Enfin, j'ai envie de le vendre ou alors de l'utiliser. C'est quoi, c'est critique et mouvement. C'est intéressant pour personne, en fait. Enfin, personne qui peut équiper des trucs. Renfort de guerrier, force. Critique, c'est quoi, 2? Hein, ça le mettrait à 20. Il faudrait critique et force, en fait. Attends, est-ce qu'on a critique et force? On va... Ça, on va pas le prendre. Alors, putain, tous les renforts qu'on peut faire. Ouf. Alors, garde force... Force critique. Critique dex. Critique mouvement. Armure force. Critique 3. Garde. Alors, Taurus. Taurus, tu m'enlèves ça. Et tu me mets force critique. Voilà, ah, c'est bien. Nickel, très bien. Et celui-là, je pense qu'on va le vendre parce que ça pèse lourd. Je peux le mettre à une personne. Genre toi, ta force est critique dessus. Oui, tu peux pas. Oui, non plus. Lucie, on a de la armure et de la force. Tous les légers, ils peuvent pas. Armure. Ouais, toi, on va te rester garder de l'armure. One Art, on va peut-être changer son arc là. On va peut-être lui remettre le tir sauvage. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut crafter encore? Main gauche. Alors des trucs, on en a 12. Très bien. On a 24, c'est très bien. Ça, on les fait une fois pour le, le bonus, hein. Bonus de la recette. Ça aussi. Ok, nickel. Bouclier main gauche, c'est fait. Il y a les renforts qu'on peut faire. On peut en faire un de chaque pour au moins avoir le... Je sais pas, la connaissance. Mais je pense pas que ça vaille le coup de... On va voir.
déjà les faire. Ce que j'ai jamais fait. Critique 3. Faucon. Ordre critique mouvement. Garde et force. On peut peut-être... oui, il y en a quand même qui sont vachement bien, donc on peut peut-être en utiliser certains. Bon, on les a tous fait au moins une fois au moins. Arc du brave. Ah putain, c'est vrai. Ok. Nickel. Et après, on n'a plus de charbon, ça marche. Ah, du brave, c'est pas intéressant. On va vendre. Tac. Après, ces trucs-là, on n'en a pas besoin non plus. Il y a toujours cette faucille qu'on avait trouvée que je garde là. Mais je sais pas, c'est plutôt un souvenir qu'autre chose en fait. Ok, on a tout ça. Est-ce qu'on peut les utiliser? Genre, on a deux critiques et mouvements. Bon, Taurus, on lui a mis critique et force, c'est nickel. Là, on a Dex critique, garde et force. Un de garde et force. Lucie, elle a armure et force. Klaska, elle a garde et force. C'est ce qu'on lui a mis. Niège, armure, force. Toi, c'est armure. Limite, on peut lui mettre garde et force. Ah, c'est mieux. Toi, c'est armure. Critique et mouvement. Critique et mouvement, peut-être. J'essaie aussi d'enlever les renforts pour voir si on peut pas débloquer des trucs. Intéressant. Critique et mouvement, c'est bien. L'inquisitrice, on lui avait mis armure x2. Dex, critique mouvement. On peut faire critique garde, ça existe ou pas? Force. Critique mouvement. Oh! Les renforts d'armure retirés de leur emplacement ne sont plus détruits. Ça y est. Ok, donc il faut les crafter en fait, c'est pas les retirer. D'accord. Ça tue. Ça tue. Donc du coup... Hop là. Critique mouvement. Pas mal. Les normaux, on va les vendre. Celui-là, on le garde. Donc ça tue, on perd plus maintenant les armures fortes. Ok, on perd plus les trucs, ça c'est cool ça. Après, j'ai envie de dire pour l'instant, on a très peu d'armures avec des slots en fait. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas le truc qu'on va utiliser souvent quoi. On va avouer. Bon, avec tout ça, bah on a fait un peu d'argent du coup. On a fait 2000. Ça, c'est bien. Nickel. Après, c'est que du facile. Par contre, ça, on va devoir le faire aussi. Okay. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Voir si on vole le ragoût. Ok.
55 à 90. On peut voler le ragoût, mais quand on sera, quand on aura plus là-bas. Ah, par contre, on a 38 matériaux bruts. Oui, ça va vite. Parce qu'à chaque fois, pour les enlever, il faut un matériau brut. Ah, tout le monde a des fers à cheval. Hein. Ah, il y a le poney aussi. Poney, c'est armure, armure. Est-ce que... armure, armure, tout simplement. Est-ce qu'on peut mettre armure garde sur le poney? Armure force. Ah, c'est garde force. Non. Il n'y a pas armure garde. Armure force. Non. On peut enlever l'armure, mais après, et mettre de la garde à la place. Mais bon, 6 de garde, autant rester avec de l'armure. C'est encore, le faut se rappeler que si on n'a plus d'armure, la garde est à 0. Hein. C'est plus compté. Hein. Donc une fois qu'il n'y a plus de garde, enfin, une fois qu'il n'y a plus d'armure, la garde, elle sert plus à rien du tout. Hein. Elle peut être à 100, 150 milliards. C'est obsolète. Et dans les combats, on peut plus en remettre. Pas obsolète. Pas vraiment le bon mot, mais... C'est plus pris en compte, quoi. Ok. Bah du coup, on va s'arrêter là, en fait. S'arrêter là, on va continuer la prochaine fois. Bah du coup, on est un peu pataugé, j'avoue. On est un peu pataugé. Pas fait grand-chose. Enfin, on a fait la meute d'ici. Faut faire les gemmes et après il y a aussi je crois un vol ici qu'on n'a pas fini. Il y a la carte à récupérer de... Mais bon, c'est un peu chiant. On peut peut-être aller, comme j'ai dit encore une fois, hein, finir Grimir. Il faudrait donner la nourriture là au mec sur le magnificent. Le magnifique, pardon. On peut faire ça. On peut peut-être aller voir pour voler la carte ici. C'est vrai. On pourrait peut-être. Ouais, peut-être. Là aussi, on a encore des rats à faire. Et là, on a encore pas... On fera un peu plus tard, cela. Garuza et tout ça, là. On continuera un peu plus tard. Bah, je crois que Mermaid, c'est la carte à voler, là. Ils perdent de l'argent, là, les gens. Les crônes disparues. Et on a une carte un peu bizarre. Il faut voir où c'est en fait. Donc ouais, on peut peut-être faire ça. mais par contre, faut voler la carte et du coup... Oh, on va être recherché quoi, encore une fois, ça va, on a l'habitude. Et il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent aussi. À la prochaine, ciao ciao.